J'entends souvent dire, rien de bon ne sortira de ma vie. L'homme m'a souvent dit que rien de bon ne sortira de ma vie. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Tant que Christ bâtit ma vie et qu'en lui je me confie, tout devient possible. Il a Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Christ accomplira une belle œuvre dans ma vie. Mon frère, ma sœur, ne laisse personne définir qui tu es. Ne laisse aucune parole de limitation de quiconque définir ta capacité et ton périmètre d'action. Laisse l'Esprit de Dieu manifester la parole. Toute personne qui a entendu ce message et qui veut répondre à ce message veut revenir à la maison du Père. Sache que ses bras sont grandement ouverts. Bonsoir mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout dans le monde. Alors on était là à Kingabwa. Vous savez, nous sommes au point chaud de Limété, 14e rue. Alors, ensemble avec ceux de la compassion, nous sommes descendus sur le terrain pour évangéliser. Vous avez suivi comment est-ce que les choses se sont déroulées. Et Dieu a fait grâce. Beaucoup d'âmes se sont repenties et beaucoup sont revenus à Dieu. Vous savez, le pasteur a parlé de l'enfant prodigue qui était parti et en demandant le bien, ses biens. Mais Dieu a fait grâce à ce qui touche son cœur, afin qu'il revienne vers le Père. Et toi aussi qui nous suis à la maison, alors nous te demandons de revenir vers le Père. Alors nous allons faire défiler nos micros pour essayer un peu d'écouter ceux qui ont participé à cette campagne d'évangélisation. Ensemble avec vous, nous allons découvrir. À très bientôt. Nous sommes à la 14e rue Limité industrielle, précisément à Kingabwa. En rapport avec le message prêché par le pasteur Marcelo, j'ai constaté que nous, les jeunes, nous sommes livrés à l'impudicité et à l'alcool alors que ce n'est pas bon. Un jeune doit confier sa jeunesse à Dieu et non à autre chose. C'est ainsi qu'il nous a demandé de nous repentir et d'abandonner une mauvaise vie pour suivre Jésus-Christ. S'il faut adresser un message à un jeune Congolais, je lui demanderai de suivre Jésus-Christ. J'ai croisé quelques frères de votre église qui m'ont parlé du message qui a été prêché ce soir. Qu'un enfant était perdu, mais quand il a compris, il est retourné près de son père. Cependant, je demande à mes frères et sœurs qui ont abandonné Dieu de revenir vers lui parce qu'ils seront transformés totalement. Dis-toi, si tu acceptes de te livrer à l'alcool et qu'un jour tu meurs, sais-tu où est-ce que tu passeras ton éternité? Bonsoir. J'ai aimé quand le pasteur a dit que cet enfant qui était perdu, prontement il a compris que tout était vanité. Mais il y a la joie en Christ, raison pour laquelle il devrait seulement rentrer auprès de son père. C'est l'essentiel du message. Beaucoup de gens ne marchent pas dans la crainte de Dieu, mais une fois qu'ils donnent leur vie en Christ, les choses anciennes vont passer et toutes choses deviendront nouvelles. J'étais très étonné de voir dans nos murs le pasteur parce que je suis habitué de le voir à la télévision. Je viendrai à la compassion. Grande ma joie d'écouter la prédication du pasteur. Nous étions si heureux de le voir dans ce quartier. Son insistance du fait de reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur m'a beaucoup touché et j'ai accepté de le suivre car en ce temps de l'enfant, ce sont de tels messages que nous devons écouter. Je demanderai à mes frères et sœurs qui sont restés dans le monde de donner leur vie en Jésus-Christ, car il est le chemin, la vérité et la vie. Je vous remercie d'être venu dans ce quartier parce qu'on ne s'attendait pas à une telle surprise. Mais Dieu a permis que vous puissiez venir pour sauver les âmes et ce message sur le retour au Père nous a édifiés.
Je suis très ému d'écouter cette parole. Pasteur ya uti kote ya. Nazali mopaya. Awa nazapenda habita awa. Je viens de l'Équateur. Je voudrais bien avoir toutes les précisions possibles pour participer même demain au culte afin de réécouter le message que j'ai écouté ce soir. Bon. Il n'y a pas d'autre alternative. Le seul chemin, c'est Jésus, c'est ce que j'ai retenu. Parce qu'il a été crucifié à la croix à notre place. Une fois que je vais rentrer à l'Équateur, je dirai à mes bien-aimés que j'étais à Kinshasa et j'ai écouté une parole qui m'a transformé. Demain, j'aimerais bien participer au culte à la compassion afin que vous puissiez me donner des principes et des affermissements comme armes afin d'aller gagner aussi d'autres âmes. Dieu continue à faire beaucoup de bien, chers téléspectateurs. En dernière minute, le Seigneur a fait beaucoup de bien à une personne. On m'appelle Fiston. J'étais de passage, mais j'ai vu que la prière avait déjà pris fin. Alors, touché par l'Esprit, j'ai rencontré quelques hommes de Dieu qui ont prié pour moi et vite, j'ai compris que la gloire de Dieu avait rempli ces lieux. À mes frères et sœurs qui n'ont pas donné leur vie en Jésus-Christ, il est grand temps. Venez parce que Dieu fait du bien à toutes ces personnes qui se confient en lui. Prévenez, je suis incrédule, mais d'un seul coup, j'ai été touché par Dieu et j'ai senti la paix à la dernière minute. Il était incrédule, mon mari. Il s'énervait toujours quand on voulait lui prêcher la parole de Dieu. Il n'aime pas partir à l'église, il cherche toujours des échappatoires. Ma prière a été que Dieu puisse le rencontrer et gloire à Dieu, ce soir, il a été transformé. Mesdames et messieurs, vous avez suivi cette série d'interviews. Vous avez suivi ce frère qui vient de se convertir juste à la dernière minute de la prière de clôture. Alors, nous continuerons à évangéliser porte par porte pour que le Seigneur continue à répandre sa grâce sur les âmes, pour que le Seigneur puisse gagner les âmes, parce que c'est notre mission. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Telle est notre mission, telle est votre mission. Au revoir.